Scarlet Wood and the Wicked Wood. Si vous n'étiez pas là sur les épisodes d'avant, il s'agit d'un point and click avec des énigmes qui demandent un maximum de QI. Voilà, c'est parti. Nous sommes Scarlet, une jeune fille qui avait des ambitions de devenir chanteuse et qui s'est retrouvée aspirée dans un autre monde, un autre univers avec beaucoup de fantasy, fantastique. C'est un peu, j'ai l'impression, ambiance Magicien d'Oz. Je sais plus trop où on était arrivé, par contre, à quelle énigme on venait de passer. On venait de passer la pierre du taureau qui faisait bouh. Ah, si, un point de QI par cerveau que nous sommes sur ce live, effectivement, 183 de QI, c'est pas mal! Ah, qu'est-ce que c'est que cette chose? J'avais pas vu ça avant, une espèce de. Une armoire à outils. Et il y a une plume dessus, très bien. Alors, je crois que voilà, on est. On... Ah oui, on avait réussi à sortir! Ah oui, c'est nouveau ça, non. On venait d'arriver dans cette zone. On est de l'autre côté de la cascade en fait. Un levier, intéressant. Abaisse un pont de bois. Ah mais génial! Et pourquoi on peut pas prendre le pont du coup? Ah non, parce qu'il faut faire E. Tout simplement. Donc effectivement là on peut passer, c'est cool. Un raccourci. C'est qu'on va en avoir l'utilité, c'est sûr. Et voilà, on se lève. Bon bah désolé, je vous ai fait voyager pour rien. Vous allez revenir là. Et moi je vais faire un maximum de squats. Alors, ici on a une armoire, une machine sur la table. Elle a l'air complexe. Mais on ne peut pas l'utiliser. Là c'est de là qu'on vient je pense. Bon sport, mais c'est ça. Attends, je refais le tour et j'essaye de voir qu'est-ce qu'on n'a pas rempli. Un truc en pierre. Un truc avec un point d'interrogation. Oh non, maman a envie de jouer un petit peu. Ah, il y a un dododo. Terrible. Il y a quelqu'un sur la falaise. Hein? Oh, bah, ça, on l'avait pas vu, ça. Attends. Attendez, attendez. Extraction d'urgence. Du petit pois carotte. Coucou, chaton. Qu'est-ce que t'as? Parlons à cet individu. C'est quoi ce bric-à-brac rouillé? Oh, je retire ce que j'ai dit, on dirait une sorte de robot. Qu'est-ce que... Est-ce que tu viens de parler? Oh, je... Au cours. Au secours? Au secours, attends, c'est ça que tu veux? Ah, il veut de l'huile! Il lui faut ce que contient cette burette. Cette burette. C'est pas la même chose. Oh là là, Nao, qu'est-ce que tu dis? Mince, c'est vide. Prends-la, je sais où il y a de l'huile. À la cascade. Excuse-moi, Arizona. Je sais que tu n'aimes pas ce mot, en plus. Moi, je vous avoue que je savais pas que c'était un petit peu malvenu comme mot. C'est... C'est grâce à toi que je l'ai su. J'ai perdu un cœur, là, comme ça. Tout de go, on a perdu un cœur. Faut peut-être que j'évite de passer là où il y a les dododo, là. Ça devrait marcher. Scarlett a reçu la burette à huile remplie. Est-ce que je dodge les dododos en passant par le pont? C'est possible ça. Salut Thibaut. Je tente de passer par l'autre chemin. Ah, j'en connais un qui fait caca. Mais oui mon chat, pousse, pousse. Vas-y. Ça, on verra plus tard. Je pense que le robot va nous en dire plus. C'était là le robot? Oui, voilà. On a l'huile. L'huile lubrifie les joints et le mécanisme de sa mâchoire. Analyse en cours. Trismus éliminé. Vous avez ma gratitude. Traitement Gaïenne. Appelle-moi Scarlett, tu as un nom? Idée confirmée. Je suis projet Talus 12, modèle identifiant machine 07. C'est accouché dehors. Malaise social détecté. Tu peux utiliser un sobriquet, Munchkin. Cyrulis Talus. Cyrulis Talus. Mais t'as faim encore?
suis un gouffre. Il est en train de gober son pyjama. Ok, ça me va. Tu es là depuis longtemps? Calcul en cours. 1461 jours, 8h, 23 minutes et 7 secondes. Tu parles toujours comme ça? Affirmatif. Super, tu peux bouger? Négatif. Dès mon corps approche en état supercritique. Mobilité entravée. Arrêt du système imminent. Je ne suis pas un ingénieur, mais ça m'a l'air plutôt grave. Affirmatif, mon statut est plutôt grave. Je ne peux pas te laisser comme ça, dis-moi comment t'aider. Réinitialisation du système requise, tu dois installer le cœur en diamant. Assemble le cœur en bas, réfère-toi au plan énigmatique pour le compléter. Hein? Flèche 4, flèche en bas 4, flèche en haut 3, triangle, du trivial poursuite. Quelle est cette chose? Est-ce que ça a à voir avec la table de tout à l'heure? Est-ce que t'as pas ta tête, toi, peut-être? Est-ce qu'on a assez de distance de corde? Oui! Maman a la tête. Super! Tiens, c'est meilleur que le pyjama. Oui! Je vais pas pouvoir rester à la tenir, là, faut faire un effort quand même. Non, non, c'est pas ça qu'il veut. 4 flèches en haut, 3 flèches en bas, peut-être. Attendez, on va voir. C'était par là qu'on était passé. Est-ce que... Oh! Le cœur en diamant. Il manque des éléments. Cette pierre fonctionne. Merci Manché, j'ai toi pour le level up niveau 3. Merci infiniment pour le sub. Cette pierre fonctionne un peu comme une batterie. Alors, attention les amis, si je m'assieds, comment on est? Ah, on est bien, on est bien. Très bien, voilà. Il va falloir la connecter à ce moteur. Un levier d'allumage doit être installé avant de pouvoir l'activer. Et il faut une clé spéciale pour l'allumer. D'après ce plan, il devrait y avoir un symbole d'éclair dessus. Je peux le terminer si je trouve tous les éléments. Une pierre batterie, un levier d'allumage et une clé spéciale. Est-ce qu'on peut pas se servir du levier qu'on a mis là dans le sol? Bon appétit, petit pois carotte. Non, mais là, t'es pas sur toutes les 2-3 heures, là, t'es toutes les heures. Toutes les heures, on a faim. Intéressant. Vous voyez pourquoi ce serait difficile de jouer à la Ligue des Légendes, par exemple. Alors là, non. Là, il y a un éclair, là. Ouais, mais je crois pas qu'on puisse le prendre. Et ça, on peut pas l'ouvrir. Ah! Ah! Ah bah voilà! Alors, on avait dit quoi? 4 en bas? Ou l'inverse? 4 en bas, 3 en haut. 2, 3, 4, 1... 2, 3, triangle. J'ai reçu une pioche. Ah, très bien. Pour que faire? Qu'est-ce que je dois taper? Bon, il doit y avoir du minerai quelque part, mais j'ai oublié où. Des singes. Ah! Ah! C'est ça. Ça devrait suffire. J'ai la pierre. Ah là, je suis pas sûre de réussir à une main. Est-ce qu'on a un truc à prendre ici? Je crois pas, là, on avait fait... Ou alors on aura peut-être besoin de la chaudière à un moment. Je ne sais pas. Si je monte là, est-ce que... Oh ! Le pont en bois a disparu ! Mais non ! Je vais devoir emprunter le long chemin. Oh, terrible ! Alors, ah!
J'ai qu'une main, je ne peux pas. Bah oui, c'est terrible, maman va mourir. En plus, on n'a pas sauvegardé. C'est problématique. Ah mais là je peux pas, toi tu mets de la mauvaise volonté aussi. Tu veux pas que maman joue. D'accord. Maman elle a le droit que de parler, c'est ça? Tiens. Tatatate. Maman elle veut jouer aux jeux vidéo. Peut-être c'est la couche. Tu veux changer la couche? On fait une pause mouette. On fait une pause mouette. Allez, la petite pause mouette. Adjugé vendu, je reviens, ne bougez pas. À tout de suite. Je suis là! Je profite de la pause pour passer un petit message d'amour. J'allais pas très bien aujourd'hui, discuter avec vous, parler avec Nao, et bien ça m'a remonté le moral. Je me sens beaucoup mieux et je voulais vous remercier pour cela. C'est trop mignon, Noxus! Ravie d'avoir rempli. Ouh là là, il y avait un gros plan dégueulasse! Tant pis! J'ai mes deux mains, petit pois et posé dans le truc d'à côté. Ce qu'on va faire, c'est que nous allons sauvegarder avant de. J'étais sûre qu'on allait se retaper le loup-garou parce qu'il y avait des totems vides là.
J'espère que vous avez apprécié cette vision matinale. Donc, le robot, le cœur, a le pont. Petit conseil pour ce jeu, pensez à sauvegarder. Ah, bah ouais, maman n'a pas sauvegardé, c'est terrible. Alors, il doit être là le mec. Ah, j'ai réussi à partir. Nul. L'avantage, c'est que du coup, je me retrouve avec tous mes cœurs alors que j'en avais perdu un tout à l'heure. Je prends la burette. Ah! J'ai réussi à me prendre un petit coup mal placé. On a l'huile. On fait le tour comme tout à l'heure parce que c'est plus safe. Surtout que le pont, on a accès là, non? Ah non, c'est un peu plus bas. Mais c'est ça, c'est retour au point de départ complètement. Mais là, on va sauvegarder avant de partir. On va miner le... Qu'est-ce que j'ai fait? Des bêtises. Maman fait des bêtises. N'empêche que là, si je courais pas, je me prendrais des petites fléchettes empoisonnées dans les fesses. Ce serait vraiment pas terrible, hein. Voilà, l'huile c'est bon. Hop, 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 hop. On récupère la pioche. Il doit y avoir une autre touche qui fait office de E parce que ça se répète un peu. Oh, il y a une page là. Revenez. Je sais toujours pas à quoi ça sert, mais je les prends. Ça raconte une histoire, très probablement. Là, on veut le cœur, nickel. Et là, on avait dit 4 en bas, 1, 2, 3, 4, 3 en haut, 1, 2, 3, boum. Et on a la pioche. On sauvegarde. Hop, c'est pas mal ça. C'est dommage que ça sauvegarde pas tout seul. Voilà, petit point négatif du jeu. Sauvegarde auto, ça ferait quand même plaise. Il gazouille. On a le cœur. Et là. Et là, on est mal. Il arrive, il arrive. Loup-garou is coming. Pas jusqu'ici, il vient pas jusqu'ici. J'entends le poum 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 poum. Oh, il m'a pas vu. Putain, il m'a vu, mais c'est pas possible. Projet courir, même pas besoin de se cacher là. Ah. Ah, ah. Oh, la technique des totems s'est révolue. Nous maintenant, on court en fait. Alors j'ai le cœur, ah oui, il faut le réparer maintenant. Faut le réparer, oui. Ah oui, par là. Est-ce qu'on sauvegarderait pas? Parce que quand même, on a échappé au loup-garou. Moi, je pense que là, on sauvegarde tous les jours. Oh, attends, par contre, on a perdu là les cœurs. Hein. Une clé spéciale, mais ça, je sais pas. Là, on peut plus passer.
Pourquoi je peux mettre de l'huile dans cette grosse plante? Elle est où la bouche? Faut que je trouve la bouche de celle-ci. J'en ai mis, mais c'était pas suffisant. Une bouche. Ça m'oblige à repartir. Non, il pleure pas, il fait... J'appelle pas ça des pleurs. Je re-sauvegarde encore, mais bon... Réfléchis, Nao, réfléchis. On peut pas aller. Où est le truc de cette grosse plante? Faut que je trouve... Faut que je trouve le truc de la grosse plante. La tête de la plante. La tête de la plante! Il y a peut-être un truc de plante ici aussi. Pas du tout! Bon, là on a réussi. Mais ça ne fait rien ici ce qu'on a fait du coup. Il y a peut-être un ordre. Non, il n'y a pas à tortiller du cul, on est obligé de passer de l'autre côté. Hein. Ah! Peut-être que Petit Pois peut commencer à s'impatienter quand même. Je cherche. Mode totem activé. Réception de Petit Pois Carotte. On arrive sur zone. Décollage imminent dans 3, 2, 1. Ouais. Mais il y a un loup-garou là. C'est problématique le loup-garou parce que... Comment qu'on va faire? Sinon tu peux venir sur les genoux de maman comme ça, regarde. Hop là! Ah mais mets pas les pieds dans les boobs! Comme... Coucou, je suis un transat humain! Attends, je descends. Oh, elle est là! La grosse bouche! On a trouvé la bouche! Est-ce que ça débloque le passage? On sait pas, hein? On sait. Oh là là. Oh ouais. Ah, c'est sportif là d'être maman, quoi. La maman de Petit Pois Carotte est demandée. Ah, t'es parti avec mon câble encore. Tu es connecté. Tu es branché, mon chat. Voilà. Ah, mais du coup, tu me tires sur le fil. Non, t'en as marre que maman ait joué à un jeu vidéo? Oh. Oh, petit chaton. Bon, bah, maman, elle va sauvegarder sa partie, et puis on va rentrer, hein. Je veux... Non, c'est faux, il m'a vu. Hop, on change. Changer de safe. Oh le... Ah, tu rajoutes...
c'est une pression avec le loup-garou, c'est intenable, hein. Ça me fait trop peur. Oui, ça fait peur à maman. Le loup-garou, là, c'est pire que le loup-garou. Là, je peux pas, on peut pas dans ces conditions. On peut pas. On peut pas. Le truc, c'est que si je te mets au sein, je peux pas échapper au loup-garou parce que j'ai pas accès à mon E. Allez. Dis ça que tu veux? Oh oui, ça va mieux. Bah, t'étouffes pas avec non plus. Non, il fait pas ses dents. Il a décidé de s'énerver sur le sein de sa mère. Bon. Oh là là, oui, t'en as marre, t'en as marre. Bon bah, écoutez les amis, on va pas, on va avoir du mal à. Qu'est-ce qu'il y a? Ça arrive trop vite dans la bouche? Je cherche à comprendre le. Ce que veut cet individu. Ça va être hyper compliqué, hein? Oh, petit chaton. On a plus de cœur, on a plus rien. Oh. Courir, somme toute, c'est la bonne strate. Ok, ça c'est fait. À deux doigts de sauvegarder maintenant que j'ai réussi ça. T'imagines s'il fallait recommencer à zéro à chaque fois? Ouais, mais faut que je trouve un totem de sauvegarde aussi. Parce que comme j'ai que deux cœurs, on peut pas trop jouer avec ça quoi. Chaque passage est bon à prendre. Allez, on va voir si ça a débloqué le. Non! Non! Yes, la sauvegarde! Ça fait plaisir. Oh, ça me fait trop peur! J'ai trop peur avec ce jeu. Ce jeu qui fait peur! À la base, c'est un jeu très chill. Tranquillou, Lilou. Non, je suis partie du mauvais côté! Quelle erreur dans la joueuse française! Ok, donc j'arrive là, je pars direct à gauche. Je sais pas pourquoi, j'essaye d'aller à droite. Non, je peux pas le fight, c'est un loup-garou quoi, soyons sérieux 2 minutes. Allez, allez. Maman va échapper au loup-garou et tu seras fière de maman. Ah merde, je me suis arrêtée pile poil sur le truc. Nul! Nao, que fais-tu? Ah, il y a une grosse bouche là. Ah ouais, mais du coup. Oh. Je peux monter partir à gauche, mais il faut que je mette l'huile dans le truc. Comment on va faire? Là, je me suis pas pris la fléchette dans le cul, ça fait plaisir. Ah, du coup, là, il m'a pas vu, ça marche. Ça s'est bien négocié. De la part de la joueuse française.
Sauvegarde ? Je sais pas si c'est une méga bonne idée de sauvegarder là. Le loup-garou qui pop. Si c'est la sauvegarde qui nique tout après, comment on fait? Non mais je sauvegarde quand même. Petite sauvegarde, ça veut plaisir. Ouf, j'ai cru qu'on n'allait pas s'en sortir. Hein. C'était. Ah, j'ai tout. Bon alors, S, N. D'abord le 1, c'est la serrure. On est obligé de monter le truc dans l'ordre? Du coup, où elle va cette serrure? Je pars du principe que c'est comme ça. Non, moi je suis pas sûre que ça se passe dans l'ordre. Moi je pense que là on peut mettre le truc rouge. Voilà, et là on peut mettre le truc bleu déjà. C'est pas mal. Le cœur. Là. Tac, avec la clé. Donc il va nous falloir un câble. Où on branche le câble? Ah oui, mais parce qu'il faut mettre des capuchonnets aussi. C'est pour ça. Oui, sans capuchonnets, on peut pas brancher le câble. Je fais de la physique. Salut à tous. Ah, le rouge est là. Le bleu, là. Qu'est-ce qu'on n'a pas mis? La molette? C'est pas celle-là? Non, c'est une molette soleil alors. Et voilà, nous avons un cœur. Eh, donc tout n'était pas utilisé, cette molette-là, je l'ai pas mise. On va pouvoir donner le cœur au monsieur, trop gentil. Enfin, c'est un robot, mais... Sauvegardons. Je sauvegarde pour tout, tu sais. Du coup, il va être en état de marche, on va voir ce qu'il va faire. Allez, il faut que ça fonctionne. Il est complètement dans les vapes. Allez, réveille-toi, bric-à-brac. Oh là là. Réinitialisation. Chica chica. Chica chica, oui. Système normalisé, démon corps stable, moteur analytique en ligne. Alors c'est bon? Affirmatif, c'est bon. Merci Scarlett. Mais comment tu t'es retrouvée dans cet état? Le Faba m'a lancé un sort de rouille. Elle a retiré le cœur de diamant. Après son départ, j'ai tenté de créer un nouveau cœur. Le sort et la pluie m'ont immobilisé. La tâche n'a pas pu être complétée. Attends, il en avait après toi pour aucune raison? Négatif, je l'ai poursuivi. Nous devons partir et chercher des alliés à présent. La mission ne peut être compromise. D'accord, je connais les sorties, allons-y! Oh, trop bien, ça va nous faire sortir directement et nous aurons terminé cette zone! Et nous y voilà! Trop bien! La forêt est dangereuse. Je le sais bien, je connais plutôt bien le Faba et ses laquais. Il traîne dans le coin, sois prudente. Il est temps de partir. Une minute, pourquoi ne pas rejoindre la caravane? Un chevalier d'étain capable de manier une hache peut nous être utile! Analyse de la stratégie. Analyse terminée. Situation optimum de Pareto. Négatif, je vais maintenir le cap. Moi, ça valait le coup d'essayer. Prends soin de toi et évite l'eau cette fois. Sentimentalité détectée. J'espère qu'on se reverra. Au revoir, Scarlett. Sentimentalité détectée, il a dit. On s'est fait un nouvel ami. Et il a un cœur, un vrai, que j'ai confectionné de mes propres mains. C'est bon, hein. Oh oui. Du coup, maintenant que j'ai fait ça, est-ce que l'optique est de reprendre la route once again pour le dernier chapitre? Sûrement. Il nous restera une zone, je pense, donc on va encore se faire rollback. Après un bref détour par le sentier de Lilliput, on s'est rendu une fois encore au château de Royalton. Mais j'ignorais ce qu'il restait de mon œuvre dans le vallon brumeux. J'espère que Pippa avait raison.
Jacques Citrouille est revenu et a endormi ses saletés. Nice. Un bon somme vous fera le plus grand bien. Mais contre les macaques... Qu'est-ce qu'il y a encore? Debout, c'est pas le moment de faire la grasse mat. Et voilà les macaques. Bad Babouin vous a bien eu. C'est marrant parce que Bad Babouin c'est clairement le singe dans le royaume quoi. Ouah, ça fait mal. Sirtalus, analyse de situation, menace maîtrisée. Bad Babouin passera une mauvaise journée. Je savais que tu reviendrais. Rafiki, oui oui, c'est tellement Rafiki. L'homme des teints bouge à nouveau. Regardez comme c'est beau, ce ralenti là sur l'action, boum. Cyrulis Talus, l'homme des teints du groupe sacré. Affirmatif, ils ne vous embêteront plus, je vais prendre congé à présent. Tu es là depuis un jour à peine et tu te fais déjà des amis au placé. Que puis-je dire, je m'entends bien avec les êtres des teints, bien sûr. Inutile, ils ne seront pas frais et dispo avant un moment. L'endroit est aussi sûr que le camp dans vendredi 13. Il faut réparer le wagon en plus. Mais donc tes talents à profit et parents éclaireuses, si tu veux, j'aimerais bien éviter les surprises désagréables. Bon! Il va forcément nous arriver des bricoles! On est presque sorti de ces saletés de bois et aucun signe de dodobo ou de macaque volant. Il y a le loup-garou. No way! Qu'est-ce que? Sors de l'ombre tout de suite! Mon bras! Je peux pas atteindre le bâton. Ah! Tu vois, on se fait à nouveau rollback. Et le dernier sous-fifre de l'Euphaba, c'est bien le loup-garou. Debout, Blandinette. À nouveau rollback. Mince, j'ai parlé trop vite sans le bâton. Sans le sort de respiration, je serai de la charpie. Il reste une zone. Elle est là. Ah, il faut parler à Pipa quand même. Pipa, Pipa. La petite fée. Vous. Ta caisse à outils est en bas du chemin près du portail mécanique. Tu ferais bien d'aller les chercher. Tout le monde me pique les affaires. Elle est là. Ah, pouit, il a fait. Déjà de retour. C'est quoi cette forêt? Va vraiment falloir que vous contrôliez la faune par ici. Ah oui, Renard, au moins elle a donné une bonne leçon à Bad Babouin. Ce n'est peut-être pas un cas désespéré après tout. Regardez, il a des étoiles dans les yeux. Comment tu me regardes, toi? Toi aussi, t'as des étoiles dans les yeux. C'était bon, t'as plus faim? On peut retourner à nos affaires? Super, mon loulou. Oui! Oui! Trop bien. En français, s'il vous plaît, je viens de me faire dévorer par une bête géante. Un petit avertissement n'aurait pas fait de mal. C'est pas mon boulot de surveiller toutes les horribles créatures dont dispose le Faba. Et puis la créature dont tu parles, c'est Frère Loup, c'est son familier. Au moins, son familier a du mordant. Rappelle-moi à... Quoi tu sers déjà, Renard? Tu devrais remercier ta bonne étoile d'avoir Frère Renard sans ce sort de réapparition. Tu serais déjà 6 pieds sous terre, c'est bien vrai. Ok, j'ai compris, donc je n'ai plus besoin d'aller fouiller le vallon brumeux ou le sentier de Lilliput. Il nous reste un seul chemin. La morsure sur son bras. Il faut aller à la colline boisée. Présente-lui quelqu'un qui a autant de mordants et de muscles. Une personne en tête. J'ai aussi entendu dire que les dents d'un loup sont sensibles à l'argent, mais je ne sais pas si cette info te sera utile si seulement on pouvait franchir ce portail mécanique. D'où la caisse à outils peut-être. La clé Franklin pour ouvrir le portail mécanique. C'est quoi la clé Franklin? Pouette, pouette, pouette. C'est ce portail-là. On y est. L'ultime zone. Je pense que une fois qu'on a clear cette zone-là, bah on peut passer tous les sous-fifres de l'Euphaba et s'en sortir vivant. Ultime zone, les amis. On a qu'un talon rubis, mais peut-être que dans ce chemin on va trouver l'autre talon. C'est vrai qu'il faut, à mon avis, à un moment on va trouver notre deuxième chaussure. Oh, mais c'est enneigé ici. J'ai l'impression d'être rentrée dans un monde totalement différent. Des bois pleins de mystères. Ah.
Un ancien feu de camp. Qu'est-ce que c'est ça? Une lettre dans une bouteille. Page déchirée. Ça, c'est la sauvegarde. Ah, on peut pas sauvegarder. Oh, on peut pas une zone où on peut pas sauvegarder, peut-être. Ah si, c'est là. C'est là la sauvegarde. Je n'ai rien dit. De l'or, merci. Ah! Oh! Oh god! C'était quoi? J'espère que ce n'est pas encore Frère Lou qui me poursuit encore. Hé! Hey, tu veux mourir ou quoi? Comme un chien qui poursuit une voiture, tu saurais pas quoi en faire si tu l'attrapais. Peut-être c'est un autre loup-garou en fait. Peut-être que Frère Lou a un frère. Oh. Oh non, les bois, c'est ceux de Blanche-Neige. Un coffre, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un pain de maïs. Bon, on peut le manger tout de suite. De toute façon, il me manque des cœurs. C'est toujours bon à prendre. Alors ici, on a une porte qui est verrouillée. Il va nous falloir une clé. Et là, nous avons un escalier gelé. Moi, je dis, il faut remettre un peu de chaleur ici. Oh, c'est charmant, petit pois carotte. Tout en paix. Un pont, marchons avec prudence. Ce pont ne me dit rien qui vaille. Hein. On est passé quand même. Hein. Menthe poivrée pour de l'énergie. Il me donne un peu trop de... Je vais devoir battre un boss ultime ou comment? On me donne un peu trop de ressources si vous voulez mon avis. On a des traces de pas dans la neige. Ah! Ah oui! Oh merde, qu'est-ce que c'est que ça? Il va me falloir quelque chose pour descendre. Je suis passée à côté, genre... Genre je m'en fous de cet individu. Cet endroit me file les jetons, on dirait une sorte de catacombe. T'es là, renard? Faut pas t'enfuir comme ça. Accroche-toi, renard, j'arrive. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Comment s'appellerait le frère de Frère Loup? Bonne question. Loufoque. Il s'appellerait Loufoque. Qu'est-ce que... Si on active, ça fait quoi? Est-ce qu'on peut changer quelque chose? Pas du tout. Oh. Oh. Là 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 là. Tiens. Chichi, c'est qui te ferait plaisir? C'est que maman bouge. Tu glisses ton petit pied? Je ne sais pas ce que c'est, j'ai l'impression qu'il y a des leviers, un cadenas, ce truc, je sais pas ce que c'est non plus. Et ouais, je sais pas ce que c'est. Ah, un levier. On dirait que quelqu'un s'est attaqué au mur avec une pelle et beaucoup de force. Quel drôle de... Mais là aussi, il y a le... Ah! T'as vu, ça s'est déplacé, on sait où on est. Alors, on connaît les portes ouvertes et les portes fermées. C'est le labyrinthe du Minotaur, en fait. C'est pas les symboles, c'est comment on se déplace. Donc là, tu vois, on peut rentrer ici. Il manque un levier. Ah, est-ce que je dois trouver les leviers quelque part, peut-être? Alors, du coup, par où je dois passer? Je dois aller à gauche, gauche, bas. Gauche, attends, gauche, gauche, bas, gauche, bas, gauche, bas. De toute façon, s'il y a le tableau à chaque fois, on devrait s'en sortir. Encore à gauche. Oh là! J'ai une clé! Ah bah y'a pas de porte là?
Ah non, bas. J'y étais. Bas. Pourquoi on est tout fermé là? Ah, mais attendez, ça change en fonction de où on avance. J'ai un levier. Là, on peut que revenir par là. Ah, on peut retourner au levier, là, du coup. Qu'est-ce qu'il y a, chaton? Ça bouge pas assez à ton goût? Un levier, yeah! Ah, les portes ont bougé, regarde! Les portes ont bougé, il y a un truc... Est-ce que je peux l'activer? Pour que ça change tout? Oh bon, on va arrêter de jouer. Eh bien, j'ai pas pu sauvegarder! Mais non, il n'y a pas de sauvegarde là, chaton, comment on fait? Il faut qu'on trouve une sauvegarde quand même. Donc attends, il faut qu'on sorte de là. Terrible, le petit chat. Oh non, t'es trop triste. Oh là 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 là. Il faut de la patience. Cherche borne de sauvegarde. Non. Il n'y a pas de borne de sauvegarde dans ce secteur là. Faites-moi plaisir. Oh god. Maman cherche. J'ai plus d'énergie. Je suis obligée de marcher en plus. Tout va bien, mon lapin. Ah, voilà, on a la sauvegarde. C'est fini, voilà. C'est fini. Je sais pas ce que tu veux, mais on va trouver, hein. Bon, écoutez, les amis, ainsi s'achève cette petite session vidéoludique. On a clean la deuxième zone, il restera la troisième. Je pense que c'est le concept du labyrinthe, un peu du Minotaur. Et là, le devoir m'appelle avec un petit pois carotte inconsolable. Je vous fais des bisous, passez une bonne journée. De toute façon, il est à 5 minutes près, c'était l'heure. Et je vous dis du coup, bah, à quand? Peut-être bientôt, peut-être pas, on sait pas. Des bisous les amis. Ciao.